التعريف بالمعالم الأثرية وإحياء التراث الوطني عنوان حجز لنفسه مكاناً في رفوف الصالون الدولي للكتاب هذا العام، محاولة للتعريف بالموروث الثقافي المادي واللامادي الذي تكتنزه الجزائر. La vulgarisation du patrimoine, c'est-à-dire que on essaye de mettre à hauteur toute l'histoire de l'Algérie, toute la culture de l'Algérie à travers son territoire, c'est-à-dire à travers toutes les wilayas, à hauteur du public, des lecteurs, pour qu'ils découvrent leur pays. منذ أكثر من 10 سنوات تعمل دار النشر البيازين على بعث الموروث الثقافي من خلال إصدارات تأخذ القارئ في رحلة عبر الزمان والمكان لتجول به عبر مختلف المواقع الأثرية بالوطن. En fait, le Bayazine, dans sa vocation, elle fait des beaux livres, donc des livres comme Constantine ou alors Dar Abd al-Tayf, comme celui-ci, qui a été fait par une descendante de Abd al-Tayf justement. Donc ça revient sur l'histoire, l'architecture de la villa des Fars, l'une des villas les plus connues d'Alger. Et on a aussi donc des guides de ville comme Alger. Et donc ce ne sont pas des guides pratiques, ce sont des guides des villes qui reviennent sur la culture et l'histoire de la ville. C'est une balade en fait. كتب دونتها أقلام مؤرخين وكتاب مختصين في المجال. C'est quelque chose d'éclairant, de lumineux. C'est une lecture de 5-10 minutes, ça vous transporte donc dans votre histoire, ça vous transporte à lire votre passé. Chaque fois, j'achète un livre. Et cette fois-ci, très probablement, Dar Abd al-Latif. ولأن التراث المادي واللامادي يعد أحد أبرز العناصر التي تدخل في تكوين شخصية الأمة ورمز وجودها، فإن المحافظة عليه اليوم ضرورة لا بد منها لحماية الهوية الوطنية.